Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous prendre, soit à la télévision Vert Pâturage ou alors sur YouTube, sur notre chaîne Astrid Boutella. Nous vous souhaitons, je vais dire, une bonne dégustation parce qu'en ce moment, nous allons bien manger dans ce rendez-vous. Nous avons un invité qui nous bénit chaque fois qu'elle passe sur ce plateau, dans notre émission Le Rendez-vous, elle nous bénit énormément. Raison pour laquelle ce soir, je dis encore que nous serons bénis et nous allons bien manger. Elle est passée ici, nous avons parlé de son livre, L'impact Des des relations sur le chemin sur le chemin de la de destinée. la destinée. L'impact de relations sur le chemin de la destinée. Je pense que vous soupçonnez déjà de qui il s'agit. Il s'agit bel et bien de notre sœur, maman, et celle que nous aimons beaucoup, Mireille Mokeni, avec qui nous sommes sur ce plateau pour un nouveau rendez-vous. Et je vous assure qu'elle apporte des bonnes nouvelles et vous serez abondamment bénis. Je souhaite un joyeux anniversaire à cette personne qui est née aujourd'hui. Dieu vous a gardé, Dieu vous a fait du bien, Dieu vous a protégé, vous a emmené jusqu'en ce jour. Et ce n'est pas en vain que Dieu vous a gardé en vie jusqu'en ce jour. Certainement qu'il y a des bonnes choses que l'Éternel a réservées pour vous et que vous allez palper. Très bientôt, ces promesses vont se réaliser dans vos vies. Alors, nous parlons aujourd'hui avec notre invité d'un thème très important, saisir son mandat divin. Comment saisir ce mandat divin? Parce que chacun de nous a un mandat. Et ce mandat ne nous vient pas des hommes, ce mandat nous vient de Dieu. Ça s'appelle un mandat divin. C'est pourquoi nous disons ensemble avec maman Mireille Mokeni, comment saisir ce mandat divin. Chacun de nous, je dis bien, et les hommes et les femmes, nous devons savoir saisir notre mandat divin. Bonsoir, maman Mireille. Bonsoir, maman Astrid. Comment vous allez? Dieu fait grâce, je vais bien. Et quels sont les échos de notre émission passée? Les échos ont été plutôt positifs et je bénis le Seigneur pour ça. Et vraiment, je pense que cette plateforme est une source de bénédiction pour une Oh, multitude. gloire à Dieu. Et je vous remercie. En tout cas, que notre Dieu soit glorifié. Tu vois, hein? Cette plateforme est quelque chose vraiment de bien. C'est une bénédiction pour nous tous. Alors reste accroché et ne sois pas seul. Appelle les amis, appelle les bien-aimés, les frères, ton épouse si tu es marié, et ton épouse aussi, toi, l'homme qui est marié. Soyez là, vous tous, et vous allez suivre cette belle émission qui va nous bénir ce soir. Maman Mireille, saisir son mandat divin. Oui. Pourquoi ce thème? Saisir son mandat divin. La Bible est un livre qui parle d'un roi. La Bible est un livre qui parle d'un royaume. La Bible est un livre qui parle d'une famille d'enfants royaux. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 2 à 3, la Bible dit: La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La terre était informe, informe et vide. Et vide. Le terme informe et vide fait référence à un état chaotique, fait référence à un manque. Et donc, tous ces détails sont des mobiles de Dieu à la création de l'homme. Et Dieu va ensuite s'exprimer en ce terme dans le livre toujours de Genèse, chapitre 2, versets 4-6. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ce verset est merveilleux parce qu'il nous enseigne un principe vital qui est celui-ci. Là où il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de croissance. Et je renchéris en disant, là où il n'y a pas de bonne gestion, là où il n'y a pas de bon dirigeant, il n'y a pas de croissance productive. Vous savez, une entreprise mal gérée connaîtra inévitablement la faillite. Un mariage mal géré se résoudra en échec.
Et un pays mal gouverné connaîtra une crise dans un secteur spécifique. Mmh. Et donc, ce principe vital s'applique dans tous les domaines, dans toutes les sphères de la vie de l'homme. Mais ce n'est pas tout. C'est alors que Dieu va s'exprimer en ces termes, cette fois-ci toujours dans Genèse, chapitre 1, verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. » Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Mmh. Maman Astrid, le premier mandat que l'homme a reçu est celui de dominer. Amen. Dieu a donné à l'homme tout un royaume, il lui a donné tout un territoire. Autrement dit, il lui a donné une sphère d'influence sur laquelle il est appelé à avoir un contrôle. Mmh. Il lui a donné le mandat de diriger, le mandat d'administrer ou alors le mandat de manager. Et en donnant à l'homme son image, en donnant à l'homme sa nature, en fait, Dieu a donné, il lui a doté de tout un pouvoir légal d'administrer. Okay. Mais il est cependant important de bien, on va dire, expliquer ce concept-là de domination tout en restant dans ce contexte pour qu'il n'y ait pas des malentendus. Okay. J'ai découvert dans mes recherches que le mot « domination » ici traduit le mot hébreu « mamlaka ». Okay. Le mot hébreu « mamlaka » veut dire « royaume » ou « royauté ». Ça signifie aussi « règne okay. »,« influence »,« pouvoir royal ». Et donc, toutes ces choses ont été données à l'homme pour pouvoir exercer une influence dans un secteur particulier. Okay. Et donc, je veux dire à celle, je veux dire à celui qui me suit ou qui nous suit en ce net moment, que ce n'est pas un hasard que vous vous retrouviez dans cet environnement. Amen. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce qu'avant vous, il y avait un chaos. Avant vous, il y avait peut-être un désordre. Avant vous, il y avait certainement une injustice. Et Dieu vous a placé là, dans cette famille, dans cette entreprise, dans cette église, parce que vous êtes certainement l'homme ou la femme de la solution. Okay. Vous êtes l'homme et la femme de la solution à ce chaos, la solution à cette crise. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et lorsque je parle de crise, une personne pourrait être effrayée. Non, j'aimerais dire à une personne de ne pas être effrayée par la crise qui pourrait intervenir à un moment donné de votre existence. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, Dieu a occasionné, il a provoqué une crise nationale pendant 7 ans en Israël. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y avait... En Égypte. Okay. Merci. Dieu a provoqué une crise nationale en Égypte pendant 7 ans pour qu'un homme du nom de Joseph, incarcéré en prison, soit élevé au rang de premier ministre. Okay. Autrement dit, Joseph était la solution à la crise de l'Égypte. J'ai envie de dire, maman Astrid, que chaque crise produit une élévation. Okay. Chaque crise produit une promotion. Et donc, ce n'est pas un hasard que vous vous retrouviez dans cet environnement-là. Je donne un autre exemple. Observez le Chinois aujourd'hui. Le Chinois voyage dans tous les pays, pratiquement. Alors que ces pays nous présentent très souvent une situation de crise, le Chinois, lui, il s'écrit « opportunité, opportunité, opportunité okay. ». On vient dire à Jésus, Lazare est mort. À Jésus de répondre, il dort. En fait, tout simplement pour dire que le nom que vous donnez à cette situation que vous traversez révèle en fait ce que cette situation est pour vous. Et donc, si la domination a été le premier mandat que Dieu a donné à l'homme, alors on peut dire,
on peut comprendre la motivation de Dieu, on peut comprendre l'intention de Dieu et on peut comprendre le but de Dieu qui a été celui dès le départ de pouvoir donner à l'homme une position d'autorité, une position de pouvoir, ainsi donc une position de reine, de règne. Un homme, une femme qui saisit son mandat divin représente dangereusement une menace pour l'ennemi et devient une porte fermée pour l'ennemi. Et c'est toi qui te poses la question, pourquoi je suis combattu, pourquoi il me regarde comme ça, pourquoi ça se passe comme ça pour moi? Justement parce que tu es l'homme solution, tu es la femme solution, tu es venu pour répondre, enlever ce chaos et ramener les choses en ordre. Voilà pourquoi tu vis toutes ces histoires-là. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras parce qu'il n'y a que toi qui va répondre. J'ai aimé ce que maman Mireille a dit, mais j'aimerais te dire à toi, même si tu as été engagé pour balayer dans cette société, à ton niveau, tu es la femme solution, tu es l'homme solution, parce que tu risques de penser, hein, maman Mireille, tout que c'est fait. Seulement, c'est à cette personne qui met la signature, qui met le cachet sur les papiers, qui a le dernier mot, c'est lui l'homme solution. Non, tout à fait. Chacun de nous a son niveau. Et j'aimerais savoir par quel moyen l'homme ou la femme peut exercer son mandat divin. Par quel moyen l'homme ou la femme peut exercer son mandat divin? Tout simplement par l'utilisation, je dirais même par la maximisation des ressources inhérentes que Dieu a placées à l'intérieur de chacun de nous. Je cite, ça peut être des dons. Ça peut être un potentiel, ça peut être des aptitudes, ça peut être des capacités. Et donc, ce que Dieu a placé à l'intérieur de nous est destiné justement à sécuriser notre domaine d'influence. Mais le problème ici, maman Astrid, c'est que plusieurs personnes s'imaginent ou se disent que je ne peux pas exercer mon mandat parce que j'estime que ce que Dieu a placé à l'intérieur de moi est petit. Ce que Dieu a placé à l'intérieur de moi est insignifiant. Ce n'est pas suffisant, mais j'aimerais dire et m'opposer à cette manière de voir les choses. Vous savez, il n'y a rien que Dieu fasse qui ne soit petit. Tout ce que Dieu a fait a été conçu pour le succès. Amen. Voilà que Dieu rencontre Moïse au buisson ardent. Dieu ne lui demande pas autre chose que ce que Moïse a déjà entre les mains. Et donc Dieu va poser à Moïse la question de savoir « qu'as-tu entre les mains ?» À Moïse de répondre « j'ai un bâton ». Mais observez la suite. C'est ce bâton qui a permis à Dieu d'accomplir des prodiges qui ont sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Et donc, quelle que soit la taille de votre lampe, il est temps de faire éclairer votre lampe. Pourquoi? Parce que la fidélité dans les petites choses vous donne accès aux plus grandes responsabilités. Et que dire à celles ou ceux-là qui disent « c'est un kaotika bango amukili » Ça veut dire qu'en elle, ces personnes-là, il n'y a rien comme atout, comme don, comme grâce. Non, c'est un gâchis. C'est un gâchis parce que Dieu ne nous a pas envoyés sur terre en vain. Il nous a envoyés sur terre avec un but spécifique. Le lieu le plus riche au monde, vous savez où c'est? Au cimetière. Parce qu'il y a au cimetière des personnes, des femmes qui s'en sont allées sans pour autant exercer ce pourquoi ou accomplir ce pourquoi ils sont venus sur terre. Ils ont ramené toute leur richesse au cimetière. Et pour ma part, je ne suis pas de ces personnes qui veulent justement ramener tout au cimetière. J'ai pris la ferme résolution de quitter ce monde absolument vide. Quand tu mourras, tu dis tout est accompli. Tout est accompli. Ok, gloire à Dieu, Seigneur. Mais comment est-ce que on voit, il y a d'autres personnes, maman Mireille, qui n'arrivent pas à exercer leur mandat. Qu'est-ce qui leur manque au fait pour se mettre dans cet état? Alors, la principale raison est l'ignorance. La Bible dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Mais je pense que la deuxième raison aussi s'explique par le fait que plusieurs encore vivent avec une mentalité d'esclave. Je vais m'expliquer. Vous savez, en Éden, dans le jardin d'Éden, Adam a fait mauvais usage de son mandat. Dieu lui a donné le mandat de pouvoir
justement dominer. Alors, en adoptant cette attitude justement de rébellion, eh bien, ce pouvoir lui a été retiré. Okay. Son règne lui a été usurpé par un ange déchu qui pourtant n'avait aucune autorité légale justement de prendre ce qui appartenait. Résultat, l'homme est devenu depuis esclave de son propre domaine d'influence. Il en est devenu esclave. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui continuent de vivre avec une mentalité d'esclave. Avec une mentalité d'esclave, on devient esclave. Et malheureusement, il y a tant de chrétiens aujourd'hui qui marchent encore avec ce type de mentalité. La question qu'il faut nous poser aujourd'hui, qui a pris possession de votre domaine? Ok. Qui contrôle? Ça veut dire que ces gens de personnes, maman Mireille, ils ont le mandat, mais ils n'ont pas le pouvoir sur leur mandat. Ils n'ont pas, ils ne peuvent pas avoir le pouvoir parce qu'ils marchent avec une mentalité d'esclave. Okay. Lorsqu'on marche avec une mentalité d'esclave, forcément, on devient esclave dans son propre domaine d'influence. Et donc, comme je le disais, vous avez des questions. Moi, je me poserai la question de savoir qui est-ce qui vous a arraché ce domaine d'influence? Qui est-ce qui exerce une autorité dans votre sphère de leadership? Quelle est cette partie de votre vie chaotique qui vous domine? Aujourd'hui, nous avons des alliances. Nous avons des addictions. Nous avons des maladies dites héréditaires qui continuent d'exercer une autorité dans notre vie. Tellement de personnes aujourd'hui marchent sous le poids de la condamnation. Mais souvenez-vous qu'on a dit que l'ennemi n'a aucun pouvoir. Il n'a aucune autorité légale de pouvoir exercer à votre place. Et donc pour cette personne, moi j'ai une bonne nouvelle pour cette personne. La bonne nouvelle, c'est que le sacrifice ultime sur la croix par Jésus-Christ, sur la croix du calvaire, est venu restaurer, rétablir votre position d'autorité et donc restaurer la royauté que l'homme avait perdue depuis le jardin d'Éden. Et donc nous pouvons désormais aujourd'hui exercer une autorité sur les circonstances qui nous environnent, avoir de l'impact et avoir de l'influence. La troisième raison concerne les priorités de l'homme. D'accord. Parle-nous de ses priorités. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, l'homme travaille durement pour répondre à des besoins vitaux, des besoins fondamentaux tels que se nourrir, se vêtir, se sentir important, se trouver un logement, avoir une certaine sécurité, et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas mauvais. Mais ce serait tellement dommage que tout cela puisse vous éloigner de votre mission. Okay. Vous savez, si aujourd'hui votre travail vous prend tout votre temps, vous prend toute votre énergie, mais qu'allez-vous consacrer à votre famille? Quelles sont les valeurs aujourd'hui solides que vous allez transmettre à vos enfants? C'est ça. Et de plus, maman Astrid, vous savez que la priorité de Dieu aujourd'hui n'est pas la priorité des hommes. Et Jésus s'oppose justement à cet ordre de priorité parce qu'il dit lui-même, en déclarant d'ailleurs, il dit « Pourquoi vous inquiétez de ce que vous mangerez demain ou de ce que vous boirez? Dieu sait ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord. Cherchez d'abord. » Le terme « d'abord » fait référence à une priorité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, vous avez compris, bien aimé dans le Seigneur, c'est un thème très important, saisir son mandat divin. Alors, puisqu'on parle d'exercer cette influence, est-ce qu'une femme au foyer, une femme au foyer peut aussi faire en sorte qu'elle puisse exercer cette influence, c'est-à-dire ressortir d'elle sa mission, son mandat, et s'imposer aussi dans la société, puisqu'elle est femme d'autrui. Est-ce qu'elle a le droit de le faire, d'ailleurs? Comme nous l'avions mentionné au début de cette émission, Dieu a donné à chacun de nous, que personne ne vous dise le contraire, Dieu a donné à chacun de nous une sphère d'influence sur laquelle nous sommes supposés
poser notre leadership. Et on ne peut pas justement dominer sur un territoire, autrement dit sur une sphère d'influence qu'on n'a pas. Et donc, moi, ma sphère d'influence, c'est peut-être mon travail. La sphère d'influence de maman Astrid, c'est son émission, c'est ce qu'elle fait, c'est son ministère. Pour cette femme, il s'agit de son ménage, il s'agit de son foyer, il s'agit de son mariage. Mais maman Astrid, c'est tout un ministère, c'est tout un appel, c'est tout un mandat. Mais le problème aujourd'hui, je pense... Ceux qui vous suivent là, maman Mireille, il faut peser les mots. C'est tout un mandat. C'est vraiment un mandat. Nous sommes très observateurs et on peut le voir. Maman Astrid, vous êtes pasteur aujourd'hui. Je me pose la question de savoir quels sont les défis que vous relevez tous les jours en tant que femme. Et ça, c'est votre domaine, c'est votre royaume. Mais je pense que nous devons réfléchir aussi autrement. Vous savez, il n'y a rien de plus destructeur pour un homme que de partager sa maison avec une femme qui intervient dans sa vie pour détruire la vision que Dieu lui a confiée. Je suis très admirative par rapport à l'histoire de Rahab. Lorsque les gens entendent Rahab, les gens pensent à la prostitution. Mais on ne prend pas la peine de nous poser la question de savoir si Rahab a eu un impact ou bien si Rahab a pu justement poser un geste positif. Vous avez des espions qui arrivent à Jéricho. Ils sont recherchés dans Jéricho. Ces espions trouvent un refuge dans la maison de Rahab. Rahab leur a donné sa maison qui représente à mes yeux tout un refuge. Bien sûr. Un toit, une sécurité. La question est combien de femmes aujourd'hui font de leur maison, de leur foyer, un havre de paix? Combien de femmes font de leur maison aujourd'hui un refuge? Cet endroit de sécurité. Je peux imaginer le nombre des hommes mariés qui, en quittant leur maison, font face à des défis, font face à des combats. Et lorsqu'ils pensent à leur maison, eh bien, ils doivent penser à cet endroit de paix. Malheureusement, c'est pas le cas pour beaucoup de femmes aujourd'hui. Et que dire justement de ces enfants qui vont chercher l'éducation ailleurs? Et donc, je crois que tout autant que nous sommes, nous devons justement faire de nos foyers, faire de nos maisons un havre de paix. Et donc, maman Astrid, je suis persuadée que même une femme qui ne peut pas saisir son mandat dans cette sphère devient une porte ouverte pour l'ennemi. Et donc, par la vie de prière, je pense que nous pouvons faire de nos maisons des refuges, ce lieu de paix pour chacun de nous. Donc, toi qui es mariée, qui es femme d'un homme, qui es mère des enfants, ne pense pas que c'est fini pour toi, tu es dans l'ombre de quelqu'un. Non, non, cette maison-là, ce foyer-là, c'est aussi un ministère pour toi. Donc, tu peux aussi faire en sorte que ce que Dieu avait enfoui en toi puisse ressortir afin de régner, de dominer, comme Dieu l'a dit au commencement, quand il t'avait créé. Et ce n'est pas tout, maman Astrid. Vous savez, il y a aussi un autre aspect. Chaque femme aujourd'hui doit, même si elle est dans son ménage, elle doit être prompte à apprendre des choses qui pourront contribuer à l'épanouissement de son mariage. Le problème aujourd'hui, c'est que plusieurs femmes se retrouvent dans le mariage, elles se disent « Ah, Nasuki Nanga Awa, je n'ai plus rien à apprendre, elles ont arrêté d'apprendre, elles ont arrêté de se perfectionner, etc. » Et donc, je crois que tout autant que nous sommes, nous devons nous dire « Ce que j'ai appris n'est pas tout ce que je devrais apprendre. » Et continuer. Et continuer d'apprendre. Pourquoi? Parce que l'apprentissage transforme. En tout cas, merci beaucoup, maman Mireille. Vraiment, ce sont des choses très profondes que nous sommes en train de recevoir encore une fois avec cette dame que Dieu a bénie. Il y a l'huile de Dieu sur elle. Non, bien, on connaît ses pasteurs, mais elles ont beau encore à partir de pasteur. Maman Mireille, comment faire alors? Comment faire pour régner ou faire régner cette atmosphère de règne, de pouvoir, de domination lorsque
on vit plusieurs combats dans la vie. Mmh. Mmh. Cette femme a écouté hein, ce que tu viens de dire. Elle s'est dit, je vais me lever cette fois-ci. Mmh. Je vais apprendre à coudre, par exemple. Mmh. Je vais apprendre à cuisiner pour en faire toute une maison de cuisine, et ainsi de suite. Mais elle rencontre des oppositions et cela commence déjà dans sa propre maison. Tout à fait. Waouh. Alors, l'une des choses ici que nous devons intégrer dans notre fort intérieur est celle de savoir que le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'a pas annulé la colère du diable. Okay. Pas du tout. Ce dernier travaille nuit et jour pour nous maintenir dans un système établi et justement nous éloigner du plan de Dieu pour notre vie. Et plus nous nous éloignons de ce plan, plus nous nous exposons et donc plus nous sommes vulnérables. Et donc, si même dans l'Éden, là où la présence de Dieu était manifeste, le serpent a pu s'immiscer, rien ne l'empêchera de venir s'aimer la zizanie dans votre vie. Deuxièmement, lorsque les combats deviennent plus intenses, plus forts, comment nous, à notre niveau, comment est-ce que nous développons notre système de défense? C'est ça le problème aussi. Pourquoi rester ordinaire lorsque les combats sont intenses? C'est ça le problème. Ensuite, parce que les adversaires continueront de s'agrandir, alors nous ne devons pas rester petits. Nous ne devons pas rester au même niveau, à cette même dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que le combat intervient justement dans notre vie pour nous permettre de nous élever spirituellement afin de dominer, afin d'avoir le contrôle sur ce combat et donc de prendre le dessus sur l'ennemi. Comment dominer dans ce cas? Eh bien, maman Astrid, par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je pense que vous le savez, la parole de Dieu nous équipe. Elle nous équipe pour affronter les défis, pour affronter les combats. Et donc, par la vie de prière, par la vie de cette méditation, nous pouvons recevoir toutes les armes pour résister aux mauvais jours. En tout cas, donc, dans ce cas, on doit multiplier notre vie. Il faut multiplier, augmenter la vie, le temps de prière, de méditation, de la parole de Dieu, ainsi de suite. Mais maintenant, s'il y a, je veux dire... il y a des défauts qui sont cachés, qui sont cachés en nous et qui nous empêchent d'établir ce règne-là, cette domination. Que faire maintenant pour les retrouver, les arracher de nous et continuer notre chemin? Je reste convaincue que nous n'avons pas suffisamment de force pour lutter contre nos défauts. Il faut compter sur le Saint-Esprit dans ce cas, surtout lorsque vous êtes appelé avoir un impact, parce que je le pense, avoir de l'influence et à exercer ce mandat divin, vous devez compter sur la personne la plus importante sur terre qui est le Saint-Esprit. C'est une personne proche de moi, c'est peut-être mon mari, c'est peut-être mon épouse qui m'empêche d'établir mon règne, c'est qui m'empêche de bien exercer mon mandat. Quelle sera ma réaction dans ce cas? Comment faire pour ne pas gâcher l'atmosphère, mais quand même de m'imposer? Comment faire? Vous savez, moi je pense que malheureusement, il y a des personnes qui font face à ce type de situation. Bien sûr. Vous êtes convaincu que Dieu vous a appelé pour exercer ce mandat, mais votre conjoint, votre conjointe représente véritablement un obstacle. Je crois que dans ce cas précis, comme je le dis, il faut tout simplement le laisser entre les mains de Dieu. Parce que je ne crois pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va permettre de mettre à nos côtés une personne qui va s'opposer à son plan, à lui. Comment est-ce que, Seigneur, je vais pouvoir accomplir ce pourquoi tu m'as envoyé si à mes côtés j'ai une femme, j'ai un homme qui s'oppose parce que je n'ai pas suffisamment de force? Parce que, écoutez, nous avons un cœur, à un moment donné, on peut craquer, on peut se dire que je n'y arriverai pas, mais parce que je crois que ce que Dieu a placé à l'intérieur de moi est plus fort, alors je recommande mon conjoint, je recommande ma conjointe entre les mains de Dieu et je crois que Dieu fera le reste. Je propose la solution, maman Mireille, je suis femme solution parce que Dieu m'a créée pour venir éradiquer le chaos qu'il y avait sur la terre. Dieu a mis en moi je vais dire des capacités, des atouts et ainsi de suite. Il m'a donné une intelligence. Je propose des solutions, mais quand je les propose,
c'est difficile pour que cela soit reçu. Et de mon côté, je fais comment? Ne vous arrêtez pas, absolument pas, parce qu'en ce moment-là, c'est le diable qui prend le dessus. Okay. On rappelle ici que le diable n'a... Vous savez, à l'émission récente, nous avons dit que il faut toujours combattre l'esprit derrière. Il ne faut pas combattre la personne. Okay. Tous autant que nous sommes, nous devons combattre cet esprit derrière. C'est-à-dire, l'ennemi opérera toujours. L'ennemi va même utiliser votre propre mari, votre propre femme, pour s'opposer à votre appel. En ce moment-là, comme nous l'avions dit précédemment, il ne faut pas combattre la personne. Il faut continuer de laisser cette personne entre les mains de Dieu et de combattre véritablement l'esprit qui agit derrière. Okay. Oui. Alors, dans le cas de je vais dire, un jeune garçon, une jeune fille, un enfant dans une famille, il a des parents, il choisit par exemple un créneau, je vais faire tel sport, je vais devenir telle personne, et les parents s'opposent à cela. Comment faire? Parce que si il se lève pour prendre des décisions, on dira de cet enfant qu'il devient rebelle au niveau de la famille. Comment il ne respecte pas ce que le parent lui demande de faire ou de devenir et tout ça? Malheureusement, comment résoudre ça? Malheureusement, pour ce qui est des chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent, parce que je suis chrétienne, parce que je suis pasteur, il faut absolument que moi nananga péaza la pasteur. Il faut boyer, il faut boyer. Nous avons parlé d'une sphère d'influence. Pour cet enfant chrétien, pour cet enfant, on va dire en général, peut-être que sa sphère à lui d'influence, c'est dans ce sport-là. Nous avons des chrétiens aujourd'hui en politique. Nous avons des chrétiens, moi je suis une chrétienne qui œuvre dans une société. Nous avons des chrétiens qui sont appelés justement à être des hommes, des femmes solutions, mais dans un secteur spécifique. Si dans, dans cette sphère-là, l'enfant devient une source de motivation pour les autres, eh bien, gloire à Dieu, nous l'avons dit précédemment, le plus important, c'est qu'est-ce qui fait votre succès. Si ce qui fait votre succès ne vient pas de Dieu, eh bien, ce sport-là sera temporaire, maman Astrid. Si ce succès-là vient de Dieu, ce ne sera pas temporaire, ce sera pour la gloire de Dieu. En tout cas, que dire à cette femme, maman Mireille, qui est là, assise, est-ce un problème de communication qui empêche à cette personne de savoir vraiment ce qu'elle doit faire, comme la Bible dit dans Isaïe, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière approche. La lumière approche, mais on demande à la personne de se lever déjà. Donc, elle est assise, elle dit, c'est un problème d'identité. Parce qu'une femme qui sait qui elle est ne dira pas ça. La femme, nous l'avions dit dans l'autre émission, la femme est une aide. Comment remplir ton rôle en tant qu'aide si tu te dis « nakufanda kakawana nakozela » Mais c'est même ignorer et saboter ce que Dieu a mis à l'intérieur. Parce que l'homme ne sera jamais complet. C'est même pour ça que Dieu a emmené Ève vers Adam. L'homme ne sera jamais complet s'il n'a pas à ses côtés la femme de sa destinée. Qui dit femme de la destinée, c'est cette femme qui est suffisamment équipée pour aider cet homme à remplir correctement le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur terre. Et donc j'invite cette femme à s'approprier véritablement de son identité, parce qu'une femme qui connaît qui elle est, est une menace pour l'ennemi, terriblement. En tout cas, et cet homme, nous sommes déjà en train de partir vers la fin. Ce sont des petites questions comme ça de la fin. Cet homme maintenant qui regarde son père, il regarde son père, il se dit « je serai seulement comme lui ». Et qui n'a pas compris qu'il a une mission tout autre que celle de son père. Qu'il a un mandat exercé particulièrement et personnellement qui lui vient de la part de Dieu. Que faire pour cet homme? Comment lui faire sortir de cette hérédité, cette pensée héréditaire qui remplit sa tête? Il y a tellement de choses à dire. Je pense qu'il y aura une autre émission pour pouvoir partager ces genres de clés qui est très important. Mais je crois que ce que vous avez reçu de vos parents, ce que vous avez entendu de vos parents, n'est pas ce que vous entendrez de Dieu. Amen. Dieu ne dit jamais tout en public. Il y a cette relation particulière que vous devez entretenir avec votre Créateur, parce que lui seul détient les clés de votre destinée. C'est lui qui a dit « je connais le plan ». C'est lui qui a dit « j'ai pour vous, pour toi, un plan de bonheur,
pour un avenir radieux. Mmh. Donc je crois qu'à un moment donné de notre existence, ce qu'on a reçu de nos parents, dans notre cercle familial, c'est bien, mais à un moment donné, nous devons nous aligner et dire, Seigneur, je suis à un moment donné de ma vie, qu'est-ce que tu attends de moi? Et ce n'est que de cette manière, lorsqu'on entend ce qui vient de Dieu, c'est ça qui fait de nous des femmes, des hommes exceptionnels. Okay. Pas le contraire. Saisir son mandat divin, bien-aimé dans le Seigneur, était le thème que nous avons eu à décortiquer, à développer avec Maman Mireille Mokini dans cette émission, dans ce rendez-vous. Nous aimerions savoir, Maman Mireille, si une personne se levait aujourd'hui après avoir suivi l'émission, qu'est-ce qu'on peut retenir à la fin de cette pensée-là? C'est une belle question. Ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu voit les choses en grand. Okay. En nous donnant ce mandat de dominer, il nous a donné tout un pouvoir, tout un royaume. Comme on a dit, lève-toi, j'ai aimé ce que vous avez dit, lève-toi car ta lumière arrive. Il est temps aujourd'hui. Vous savez, le bien le plus précieux que nous avons reçu de Dieu, c'est le temps. Mon feu père m'a dit une fois, Maman Astrid, à un moment donné de la vie commence le reste de la vie. Alors que vous suivez cette émission et que Dieu vous touche au travers de tout ce qui a été dit ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a quelque part un domaine, un royaume qui vous a été donné par Dieu que vous devez absolument saisir. Ce mandat que vous avez saisi, je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez, dans quel environnement vous vous trouvez, mais je veux rappeler encore une fois que vous êtes la femme, vous êtes l'homme de la solution. Ok, gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Et est-ce qu'il y a des programmes en vue, Maman Mireille? Oui, il y a des programmes en vue que nous allons partager dans les jours à venir, que je vous dirai aussi. J'espère que vous allez m'accueillir à la prochaine émission. Bien sûr, la porte est grandement ouverte. Merci, pour Maman merci. Comme je l'ai dit, vous savez, Ezer Conférence que nous avions organisée le 5 mars dernier, équipé pour l'envol, on ne peut pas être équipé en un jour. Équipé pour l'envol va nous accompagner durant toute cette année. Nous avons commencé avec nos programmes télévisés à travers Vers Pâturage. Et donc, il y a d'autres programmes, des rencontres, des partages, des tables rondes que nous allons organiser pour la gloire de Dieu. En tout cas, que Dieu soit loué. Merci beaucoup, Maman Mireille. Merci à vous. D'être encore venue et d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honorée, je vous remercie. Oui, c'est vrai, mais nous sommes bénis, on doit le dire, on doit vraiment dire la vérité. Nous sommes bénis de votre passage sur notre plateau. Amen. Chers fidèles téléspectateurs, et c'était vraiment un bon moment que nous avons passé avec Maman Mireille en ce lieu. J'ose croire que vous êtes bénie là où vous êtes aussi. Et je sais que ce n'est pas la dernière fois. Je veux dire à cette personne-là, toi qui es devant cet écran, tu as quelque chose en toi. Tu as un mandat que Dieu t'a donné. Vous savez, moi je ne saurais jamais parler comme Maman Mireille avec sa petite voix, la douce, tout ça. Moi j'ai ma voix et cette voix a une mission. Ma taille là a une mission, mon visage là a une mission, tu vois, ma main, hein, ma masse là a une mission aussi. Donc chacun de ce que nous possédons, c'est que nous avons en nous a une mission bien précise. Ne te néglige pas, ne te néglige pas, tu as de l'importance et de la valeur devant les yeux de l'Éternel. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, continuez à garder le sourire parce que Jésus-Christ est vivant.